maximiser le flux d'air sur ces hypersuspensions corporelles. When you do a stick thing with the force of the is that if you look closely at input number one and input number four, the outer position, you will notice that they are probably turned in the same direction. Why? Because two and three have their proper standing on this position. Behind the engine, using flat detection. The fact we have this engine, this propeller spinning is our sensors equipping the wing. La 4-5, c'est trois avions. C'est un avion qui est tout à la fois un transport stratégique, un avion long courrier qui peut transporter des charges importantes sur de très longues distances. C'est également un avion tactique, c'est-à-dire un avion qui peut être utilisé sur le champ de bataille, qui a des capacités d'autodéfense en particulier. Et cet avion peut être utilisé pour des missions de largage, pour des missions de parachutage, des missions de livraison rapide en utilisant des pistes mal préparées, sinon pas préparées du tout. Permet donc d'amener des charges lourdes militaires et de les livrer. Je rappelle que sa charge utile maximale s'élève à 37 tonnes. L'avion, la 400M est piloté pour nous aujourd'hui par le monsieur le chef pilote d'essai d'Airbus Military, ex-Formel. Avec lui, François Barre, pilote, et puis Eric Dizors, Jean-Paul Lambert, qui sont ingénieurs navigants d'essai, et enfin Martin McNeil, qui lui s'occupe de la soute, qui est le tactical, le test load master. François Barre, the flight test engineers are Eric Dizors et Jean-Paul Lambert, and the test load master. Aujourd'hui, deux ingénieurs de bord ont été remplacés et le seront jusqu'à dimanche par Laurent Lapierre et Gérard Maison. 174 Airbus A400M ont été commandés pour l'instant en une version clinique. Les premières machines devraient bientôt être prises en compte complètement par la France. Déjà. C'est la verticale. L'avion est un avion à commande de vol électrique. C'est un avion dont le poste de pilotage dérive très directement de celui de l'Airbus 380. À la limite, on peut même dire qu'il s'agit des mêmes postes de pilote. Évidemment, sur la 400M, on trouve des équipements typiquement militaires qui ne serviraient à rien sur un avion privé. Je rappelle donc que les deux premiers exemplaires destinés à l'armée de l'air française sont en cours de livraison et d'acceptation par cette arme, et les avions seront basés à Orléans. La commande française, qui est de l'ordre d'une cinquantaine d'avions, verra ces avions centralisés sur la base d'Orléans-Brissy, grande base du transport aérien militaire français. First series